Jamais, merci d'être là avec ce soir Stevie Boulet, Gérard Miller, Claude Sarraute, Perry Cochat, Raphaël Mesrahi et Maureen Dor. La joie, c'est le printemps, faut dire. Il y a du soleil sur la France, comme chantait le célèbre couple Stone et Chardin. Vous avez profité ce week-end, Claude? Ah oui. Elle a débourré. Moi, pas du tout. Il prétend, il y a eu une fête, et il prétend que j'étais complètement cuite. C'est faux. Toute la soirée, tu m'as appelé monsieur le curé. Vous étiez seule, Claude? Mais pas du tout. Il me fait marcher, je crois. Bah, parce que vous ne pouviez pas marcher vous-même. Juste un truc privé, c'est l'anniversaire de mon petit frère aujourd'hui, alors je voulais quand même lui souhaiter bon anniversaire, Valérie. C'est, il est né le 10 mars, Valérie, voilà. Valérie s'appelle Valérie. Ouais. Petit message personnel. Allez, on passe tout de suite à la photo du jour, et c'est celle de Dominique de Villepin, parti en Afrique pour convaincre, vous le savez, les gouvernements du Cameroun, de l'Angola et de la Guinée de se rallier à la paix plutôt que la guerre en Irak. Heureusement, grâce à Nicolas Sarkozy, pour l'Afrique en ce moment, c'est pas les avions qui manquent. Hein, Gérard? Il va réussir? J'espère, j'espère. Moi, je suis tout ça avec beaucoup d'intérêt. Il n'y a pas actuellement une feuille de cigarette qui passerait entre Villepin et moi. Personne ne pense à le faire. C'est pas encore. En revanche, si Jacques Chirac ira lui-même à l'ONU cette semaine pour défendre la position française face aux Américains, mais ce qu'on sait, c'est qu'il a de bons arguments, le président, parce que franchement, après avoir eu Mitterrand comme adversaire, Balladur comme rival, puis, une fois élu président, Jospin dans les pattes comme premier ministre, depuis sa réélection à l'Élysée, Chirac avec une confortable majorité au Parlement, un premier ministre à ses ordres, les 5 ans pour voir venir, faut le comprendre, il pensait vraiment l'avoir, la paix. Autre photo, celle de la manifestation de samedi après-midi. Ni pute, ni soumise. Je crois que vous y étiez, Gérard. Ben oui, Gérard, et ni pute, ni soumise. Un gros succès de la journée de la femme, avec au premier rang du défilé, je crois, Madame Sylvia Nagasinski-Jospin, qui n'est pas loin d'elle, je crois, hein, Gérard. Oui, oui, je l'ai vue, tout à fait. On peut d'ailleurs comprendre sa présence, Madame Jospin, quand on sait que depuis mai dernier, elle a son mari dans les pattes, 24 heures sur 24, qu'il ne faut rien à la maison. Kenza, du Loft 1, était présente aussi à la manifestation, comme quoi il n'y avait pas que des intellectuels. C'était bien. De l'avis de celles qui ont l'habitude de marcher pour la cause des femmes, c'était la plus importante manifestation depuis plus de 20 ans à Paris. Bah, fallait bien qu'elle fasse un truc, les mecs regardaient le rugby. En fait. Exactement. Les hommes regardaient la télévision de rugby pendant ce temps-là. L'équipe de France, un peu pute et très soumise face aux 15 Irlandais. Résultat, une défaite 15 à 12 à Dublin et une grosse colère du sélectionneur Bernard Laporte qui aurait mieux fait d'aller défiler avec les femmes. Alors, parce que franchement, après un score pareil, ça m'étonnerait qu'ils veuillent bien laver les maillots. Hein. Autre photo, celle d'Alain Ducasse, désigné par les Américains, meilleur cuisinier du monde. Juste derrière lui, il y a Edwy Plenel, Jean-Marie Colombani et Alain Minc, dont la cuisine du monde, elle, a fait les frais du dernier guide Cohen et Péan. Les Américains hein, qui l'ont désigné meilleur cuisinier du monde, Ducasse. C'est pas tout à fait justifié, moi, je trouve. Pourquoi? Bah, ils sont pas hyper bien placés pour donner un avis sur la bouffe. Et pour la tambouille irakienne, ils sont meilleurs? Franchement, je ne sais pas où ils vont, là, parce que les Français ne veulent pas de cette guerre, et je le comprends et je suis d'accord, mais comment vont-ils faire pour dégager Saddam? C'est quoi la proposition qu'ils font? Je ne l'aperçois pas bien. Moi, je serais très d'accord avec toi. Stevie, alors? Stevie, bah, moi, je pense qu'il y a une solution simple. Ah, voilà! C'est que on envoie une troupe, enfin, des Nations Unies, pas américaines, tout simplement chasser. Tout simplement le prendre et puis qu'il passe au tribunal international. Voilà. Cher George Bush. Non, cher Saddam. Cher Saddam. Pourrais-tu accueillir la troupe qui va t'envoyer? Allez, on revient au sport avec la victoire du PSG 3-0 à Marseille. Oh là, il y a. Il y a les Marseillais et les Parisiens ici. Un grand match, il faut bien le dire, du Brésilien Ronaldinho, hein, je crois. Ouais. Il faut dire que Luis Fernandez lui reprochait pourtant d'aller trop en discothèque, c'est bien ça? Parce que si c'est pour jouer comme il a joué, moi je dis, on devrait lui donner des adresses pour les afters à ce gars-là. Ah oui. Franchement. Il a noté.
À noter qu'il n'y a eu aucune violence au stade Vélodrome à Marseille, mais les supporters marseillais, il faut bien le dire, ont le respect des petits clubs qui viennent réaliser un exploit une fois tous les 15 ans. Restons à Marseille avec la victoire en boxe de Mehdi Chanoun qui a gagné son titre mondial des mi-lourds WBA. Il faut dire qu'il y a quasiment autant de championnats du monde et de catégories de poids qu'il y a de boxeurs. Alors évidemment, chaque week-end, on en a au moins un qui repart avec la ceinture mondiale. Moi, j'y comprends rien. Ah, mais rien. On a au moins 10 champions du monde. Hein, si je... Bon, enfin, vous trouvez que de toute façon, c'est con la boxe, non? Se battre pour une ceinture quand on porte un short, c'est débile. Justement, pour cette émission, un jour, j'étais suivre un combat de boxe. Eh bien, écoutez, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Il y avait une très bonne ambiance dans la salle. Il y avait un mec à côté de moi qui m'expliquait tout, qui me disait comment le type feintait, qu'il était fausse patte. Hein, c'est ce que c'est un fausse patte? Non. C'est un gaucher? C'est un fausse patte. Un fausse patte, c'est un gaucher. Parce qu'en général, les mecs sont habitués à crocheter du côté droit. Eh bien, un fausse patte, c'est un mec qui fait ding ding ding. Et bien, en fait, paf, il vient du côté gauche. J'aime autant quand tu expliques la boxe que quand Stevie explique la politique, c'est marrant. Et alors, quel rapport? Allez, on termine par Voici. Le journal Voici qui révèle en une ce matin que Chouchou et Loulou, un gars et une fille, forment désormais un couple à la ville comme à la scène. C'est comme ça, France 2, une belle famille. Hein. Dans notre équipe, c'est pareil d'ailleurs, et j'ai des photos qui le prouvent. Oui, les Lemoine, Annie et Jean-Luc, sont ensemble. Regardez. Oui. Oui, Mesrahi couche avec Maureen Dor, regardez les photos. Mais bon, j'ai oublié de gueuler comme autant ça, mais... vous le dire, faut pas toujours croire ce qu'on voit sur les photos. Est-ce qu'on peut remontrer la photo de Mesrahi et de Maureen Dor? Ça me fait bizarre d'être avec un grand corps. On a changé les têtes. Est-ce que vous savez sur quel corps vous êtes? Ouais, Stéphanie de Monaco, moi, je dis. Non, Raphaël. Moi, c'est vraiment le mien, moi, je crois. Non. Oh, si, je sais. Zidane et sa femme. Exactement, vous êtes sur le corps de Zinedine Zidane, Raphaël. J'ai le même. C'est incroyable, hein. Allez, toute autre chose. La semaine dernière est sorti Léopold, l'album de... Léopold, et vous avez peut-être déjà entendu à la radio son premier single, extrait de cet album, qui s'appelle « Et alors ?». Et alors, justement, qui est ce jeune homme nouveau chanteur? Il a 25 ans, il débarque de son sud-ouest natal, et son disque, c'est, on va dire, une alternance de morceaux rythmés et de ballades sentimentales, le tout dans un univers qu'on pourrait qualifier de romantico-mélancolique. Je ne sais pas si ça vous va, vous me donnerez votre avis tout à l'heure. C'est un premier album plutôt réussi, mais surtout rassurant, car depuis la Concomania de Félicien, on avait quelques doutes sur la qualité de la musique du sud-ouest, et bien, voilà un bon remède à ce doute. Pour tester ensemble l'album Léopold, accueillons ce nouveau chanteur, Léopold. Bienvenue. Alors d'abord, autant le dire, vous êtes plutôt un malin, Léopold. On ne se connaît pas. Je vous ai eu au téléphone sur Europe 1 il y a quelques jours de cela. Et je vous ai dit, vous sortez un disque, on le passe sur les radios, mais on ne sait pas qui vous êtes, on ne vous connaît pas. Pour que ça marche, il faudrait que vous ayez une aventure avec quelqu'un de très connu. Je ne sais pas, que vous épousiez Emma de Star Academy, que vous ayez un gros scandale autour de vous. Il m'a dit, bah non, pour que ça marche, il faudrait que je passe. Alors, on a tout essayé. Alors, c'est malin en direct, ce que vous voulez répondre. Je dis, bon, bah alors d'accord. Alors vous voilà ici. Mais maintenant, il faut balancer. Alors, il faut dire des choses sur votre vie privée. Par exemple, votre, non, mais votre nom de famille, par exemple, Léopold. D'accord, mais Léopold, comment? Non, effectivement, j'ai choisi de garder mon... Ça va être plus difficile, Léopold. C'est mon vrai nom. Bah écoutez, avant de continuer cette conversation et que vous réfléchissiez, en tout cas que vous essayiez de vous rappeler votre nom, eh bien, on va regarder un extrait du clip, la chanson qu'on entend en ce moment sur les radios. Et alors, Léopold? Et ce genre de cas.
bravo pour la promo. Je vois dans ce titre que vous sortez avec un mannequin. Voilà, vous répondez à ma place. Ça, c'est très bon, vous voyez. Voilà. Écoutez, moi, j'ai vraiment, avec attention, écouté toutes les chansons de cet album. C'est plutôt bien. Hein. C'est un mélange de... Enfin, vous allez me donner votre avis. Moi, je trouve ça... C'est entre Axel Bauer, ça, je l'ai lu. Mais moi, je dirais aussi un petit côté de Palmas. Oui. Hein? Pourquoi pas? Un peu Béju aussi. Non, non. De Palmas, je pense, c'est vraiment. Vous l'avez déjà dit? Oui, De Palmas, Axel Bauer. De Palmas, Axel Bauer. Perry Cochin? Alors, j'ai vu que c'est donc votre premier album et je me suis dit que je ne pouvais pas être méchante. Mais c'est vrai, j'ai pas envie du tout. Et donc j'ai lu dans vos déclarations, vous avez dit « J'aimerais qu'on me dise tout simplement que l'album comporte une certaine fraîcheur ». Alors je vous dis, il comporte une certaine fraîcheur, mais je suis pas 100% convaincue. Claude ? Eh ben moi, oui. Moi, j'ai beaucoup aimé. D'abord, il est beau comme c'est pas permis. Ça se voyait déjà sur la photo. Attends, il est beau. Et surtout, moi, celle que je préfère, parce que je vieillis, je deviens dure d'oreille, c'est « Redis-le-moi plus fort ». La dernière chanson, ouais, je l'adore aussi. Gérard Miller. Alors moi, je me situe exactement entre Perry Cochin et Claude Sarraute. C'était bien, vous n'avez pas aimé, c'était bien? Si. Ah, si, quand si. Après l'amour, vous entendez cette phrase, ah, c'était bien. Ça lui arrive pas souvent, donc c'était bien. Mais c'était bien, c'était bien. Maureen Dore. Ben moi, il m'a fait penser, je me dirais qu'il est un peu le neveu d'Obispo, l'amant de Zazie, le frère de Calogero, le cousin de Palmas et le filleul d'Axel Bauer. C'est un peu cette famille-là, c'est je dirais. Ben non, c'est une famille plutôt, c'est vachement bien produit, mais c'est vrai que j'aurais bien voulu voir les tripes sur la table, hein. Peut-être un petit peu plus, quoi. Disons, on va résumer, ce n'est pas l'album de la maturité. C'est votre premier album. Tout à fait. Oui, justement. Et faites beaucoup de scènes. Vous avez fait... D'où vous venez d'abord? Je viens du sud-ouest, pas très loin de Bordeaux. Vous faisiez quoi? Les cafés-concerts? Ouais, les cafés-concerts, puis pas mal de petits boulots avant d'arriver à Paris. Vous étiez musicien? Oui. Guitariste? Guitariste, chanteur, auteur-compositeur depuis le début. Bon, donc, il faut l'encourager à premier album. Oui. Raphaël Mesraïl. Moi j'adore et je prédis une grande carrière à ce moment-là. Moi aussi, je crois. Non, vraiment. Ah, ça, j'en suis sûr et certain. Vraiment. Et un moment j'ai lu, vous écoutez beaucoup David Gray en ce moment. C'était pas plutôt Félix? Je dois répondre. Non, ça. Votre influence, c'est David Gray. David Gray. Ouais. D'accord. C'est vrai qu'on sait rien de vous. Alors moi, ouais, j'ai beau regarder dans toutes les coupures de presse. Alors vraiment, c'est difficile de savoir qui vous êtes, d'où vous venez. Et c'est là où j'arrive. Ouais. C'est bien le mystère. Qu'est-ce que vous proposez, Maureen? Un speed dating. Est-ce que c'est qu'un speed dating? Oui, allez-y. Speed cette dating, question, ça veut dire un rendez-vous rapide. Un rendez-vous rapide. Vous savez, c'est par exemple, on irait tous là-bas, on se connaîtrait pas, on se retrouve dans un bar, et alors il y aurait cette fille, cette garçon, et on vous dit, vous avez 7 minutes pour se parler, dire un peu, soi-disant se connaître, enfin en 7 minutes. Et après ça, les filles disent, et les garçons disent, voilà, j'aimerais bien avoir le numéro de téléphone de Gérard et de Raphaël. Si Gérard, à la fin, a dit lui aussi, j'aimerais bien avoir le numéro de téléphone de Maureen, alors ils nous le donnent et ils veulent bien. Si en revanche, j'ai dit, je voudrais bien le numéro de téléphone de Gérard et Gérard, à part vous, celui-là. Très bien, allons-y. Bonjour. Salut. Je m'appelle Maureen. Salut, Maureen. T'appelles Léopold? Ouais. C'est ton vrai prénom? Ouais. T'es plutôt ville, campagne, montagne ou mer? Plutôt mer. Et les filles, tu les préfères brunes, blondes, rousses? Je n'ai pas de préférence. Si. Mais dis pas que t'as pas de préférence. Chauve. Non, j'ai pas de préférence. Et petite ou grande? Plutôt grande. Plutôt grande, d'accord, ça arrange mes affaires. Donc là, à ce moment-là, le speed dating, le mec qui dit je préfère la fille plutôt grande, je fais ok, très bien, merci. Bon, maintenant, on va devenir copains alors. Hein. Et les vacances, tu préfères grande maison avec des potes ou bien Toscane, toi, enfin toi, moi, tous les deux? Tous les deux. Il faut vraiment qu'elle soit grande? Ça, c'est à toi de et voir. Et chauve? Ça, c'est à toi de voir. Et une femme pour toi? Est-ce que c'est avant tout une mère, une sœur, une amie ou une maîtresse? Avant tout. Ami. C'est bien, ça va, ok, d'accord. Et elle reprend l'accent belge de temps en temps. Ça est bien, ça. Oh, ça est formidable, très bien, oui. Pourquoi pas? Bon. Tu aimes les enfants? J'aime les enfants. Et tu aimes les enfants, t'en voudrais combien? Trois. Il est bien, ce garçon. Trois. Bon, alors donc je résume. Trois enfants qu'il va faire avec une grande, qui sera chauve, qui l'emmènera en Toscane dans un week-end seul.
il n'est pas tellement cul. Il préfère une fille que ce soit son amie que sa maîtresse. Mesdames, c'est pour vous, parce que c'est pas pour moi. Je suis grande, j'ai des cheveux, j'ai déjà un enfant. Moi, les vacances, avec dans une grande maison avec des potes. Léopold, c'est un premier album et c'est un jeune chanteur qui débarque donc dans la chanson. On vous souhaite un tube. Merci Laurent. Merci. Jusqu'au 12 mai, vous pourrez vous rendre au Centre Georges Pompidou à Paris pour voir l'exposition Philippe Starck. Enfin, je dis voir. Il paraît qu'il n'y a pas grand-chose à voir, justement, plutôt à entendre. En effet, pas une chaise, pas une table, pas même un presse-citron, Philippe Starck. Les visiteurs, certains, pas tous, crient au scandale, c'est ce qu'on a pu lire dans les journaux, et les critiques professionnelles sont aussi très perplexes. Pour pousser l'affront jusqu'au bout, le designer Starck a laissé un livre d'or pour que les gens laissent leurs impressions. J'aimerais bien vous dire ce qu'il y a écrit parfois dedans, mais ce serait censuré ce soir. Dan Bolander est allé s'exposer lui aussi. Il a testé pour nous rendre hommage à Philippe Starck. On vous parle dans un instant de cette expo très originale, mais avant, regardez cette caméra cachée par Frédéric Gilbert. Bonjour, ici Dan Bolander. J'ai testé rendre hommage à Philippe Starck. Vous avez aimé l'exposition ? Ah, c'est nul. Ah, bah attendez, justement, parce qu'on a, un vrai... C'est un scandale. On a un vrai problème. Ouais. C'est que personne n'a aimé l'exposition. Ouais. Et on a besoin de faire signer un livre d'or. Ouais. Donc si vous pouvez écrire quelque chose de gentil, vous voyez. Ah bah je peux, mais c'est nul. Vous avez écrit quelque chose sur le livre d'or, là-haut ? J'ai écrit c'est nul. On va pas lui montrer le livre d'or qui est là-haut, hein, parce que ça va le faire complètement déprimer. Si vous pouvez écrire quelque chose de positif, vous voyez. Je veux dire, comme quoi, c'est extraordinaire. Voilà, c'est extraordinaire. Vous n'avez pas aimé ? Non, pas spécialement. Vous voulez pas mettre un petit non, mot ? Non, non, ça vous va. Mettez quel génie, vous voyez, ce Philippe Starck. Ouais. Écrivez ce que vous voulez, mais un mot gentil. Hein. Bon, par exemple, regardez, j'ai écrit 2-3 annotations. Un pur moment de bonheur. Merci Monsieur Starck, vous voyez, ça c'est bien. Un pur moment de bonheur, merci Monsieur Starck. Voilà, merci Monsieur Starck. Ah, le petit cœur, c'est très bien. Bonjour, vous avez été voir l'exposition de Monsieur Starck. Mais c'est pas une exposition, c'est un catalogue sonore inaudible. Mais non, justement, parce que le problème, c'est qu'on n'a que des mauvaises critiques. Et là, on a besoin de... Ça ne peut pas être bon. Mais alors, on a besoin de faire signer le livre d'or. Moi, je l'ai signé là-haut. Qu'est-ce que vous avez écrit là-haut ? C'est un catalogue sonore inaudible. Bah oui, c'est le problème, c'est qu'on a que des mauvaises critiques. Bah parce que c'est mauvais. Non mais je vous en prie, faites plaisir Monsieur Starck, écrivez quelque chose de gentil, non. Voyez. Mais non, parce qu'il est sensible et il va mal le prendre. Y en a foutre, moi. Je me sens mal aimé, je suis le mal aimé. On a mis un livre d'or à la sortie de l'exposition. Oui. Le problème, c'est que dans ce livre d'or, il n'y a que des choses négatives sur l'exposition. Ah bon ? Et oui, alors si vous pouvez écrire quelque chose de gentil. Je ne l'ai pas vu. C'est pas grave. Hein. Bon, je vais mettre pour vous faire plaisir. Quel grand génie. Ah, c'est gentil. Vous avez aimé l'exposition ? Pas du tout. Impossible. Épouvantable. Épouvantable. Un mal aux yeux horrible, un mal aux oreilles horrible. On ne voit rien. L'écran sont trop petits. C'est épouvantable. C'est une manière de se foutre du monde. La plupart des visiteurs écrivent des choses négatives. Sur l'exposition, oui. Et on ne peut pas lui montrer ça. Parce que Et ben alors, c'est pas le bon Dieu, enfin. Non. Là, on est en train de faire un livre d'or avec que des critiques positives. Ouais. Donc, si vous pouvez écrire que vous avez aimé l'exposition, vous voyez. Ah, ben, je ne peux pas le dire. Allez, soyez sympa. Non. Là, si j'écris, je ne pourrais écrire quelque chose de négatif. Ah, dis donc. Alors, évidemment. J'imagine que Dan est allé voir peut-être ceux qui râlaient, mais il y en a quand même manifestement beaucoup qui râlaient. Vous avez vu l'expo hier ? Oui, je l'ai vu hier. Et alors ? Moi, j'ai trouvé ça super. Vous avez adoré ? Oui, c'est le bonhomme. C'est-à-dire que les personnes qui se déplacent pour aller voir cette expo n'y vont pas pour voir le presse-citron de Philippe Starck. Pour ça, ils vont au supermarché, ils vont le trouver, il n'y a pas de problème. Bravo. Par contre, s'ils veulent connaître le bonhomme, eh ben, ils vont vraiment le connaître en allant voir cette expo parce que c'est tout lui, c'est la mégalomanie, c'est la folie de Starck qui s'exprime, mais dans toute sa splendeur. Personne n'a jamais osé faire une expo Génial. Comme ça. C'est Bravo. Jusqu'au 12 mai au Centre Georges Pompidou et on va accueillir tout de suite la commissaire de l'exposition Philippe Starck, Madame Marie-Laure Jousset. Bonsoir. Bonjour. Ah, les avis sont partagés. Hein. Ça, si vous vouliez faire parler, c'est réussi. Quand vous entendez ce monsieur dire c'est un catalogue sonore inaudible. C'est pas faux. Mais elle a raison, c'est pas faux. C'est ça l'art aussi. Non mais il y a des conditions favorables et des conditions pas favorables. Quand on voit l'exposition le samedi après-midi ou le dimanche après-midi, c'est insupportable parce qu'il y a une queue d'une heure d'attente et on est 300 à l'intérieur. Si on y va en dehors de ces horaires-là, c'est parfaitement agréable. Gérard, mais il faut dire quelque chose sur Starck, c'est que quand vous avez quelqu'un comme Dali qui fait le con, c'est un génie et on l'autorise à faire le con. Quand c'est quelqu'un comme Starck qui fait le tout fou, c'est un vrai créateur avec des œuvres formidables. Donc
C'est pas la même chose que lorsque vous voyez un type bidon faire le mariole. Lui, vous savez qu'il y a un vrai créateur, que chacun... Enfin, donc moi, j'ai un a priori favorable, même si j'en sortirais furieux aussi, peut-être. Vivi. Moi, personnellement, je trouve que le travail de Stark est révolutionnaire. Il a fait avancer les choses. C'est un précurseur. Je crois que le mot est juste. Et du coup... Non, mais c'est vrai, c'est un précurseur, ce mec. C'est un génie, c'est tout ce qu'on a dit. Et puis, en revanche, il y a un problème au niveau de sa personnalité à lui, quoi. Il est complètement égotiste. Enfin, bref. Mais en tout cas, ce qu'il a réussi à faire, c'est à faire parler de lui. Et cette exposition, bah, il a très bien réussi, quoi. C'est à la fois futuriste, hein, parce qu'on arrive de plus en plus vers la vidéo, le multimédia et tout ça. Et puis cette tête là, il y a quand même une invention formidable, cette tête qui parle toute seule. Je sais pas, moi je trouve que rien que se déplacer pour aller voir ça, c'est déjà énorme. Le choix du rose culotte pour ce bouquin, pourquoi ? Le rose cœur. Le rose cœur, d'accord, rose ok. Coeur. Mais c'est un rose culotte. On a cœur où on peut, Péri. Effectivement. Non, mais il y a une explication parce que... À l'entrée de l'expo aussi, c'est du rose, c'est le rose, même rose. Oui. Pourquoi ? C'est Rose Tendresse, il a une petite fille qui a 5 mois et il est très dans le rose en ce moment. Alors disons, dans le choix de ses prénoms, alors qu'il a 3 enfants, la première fille s'appelle Ara, donc 3 lettres. Hein. Ensuite, il a un fils qui s'appelle Oa, un O et A, donc 2 lettres seulement. Et là, il vient d'avoir une fille de 5 mois, il a mis une seule lettre, K. Et il est très emmerdé parce que sa femme voudrait un autre enfant, il est très emmerdé parce qu'il n'y a plus de lettres. Ils savent pas comment. Zéro, il va s'appeler Zéro, le prochain. Non, mais K, ça devient K, c'est banal. C'est malin, quoi. Écoutez, c'est un prénom, sa femme est américaine. Quelque chose. Vous dites tous, et je vous crois tout à fait sincère, que c'est un génie. Je devrais me forcer à aimer. Mais si, parce que je crois volontiers ce que vous dites, qu'il est novateur, qu'il a fait des objets comme on n'en a jamais fait avant lui. Si ces objets ne me plaisent pas, c'est tant pis pour moi. Lorsque les bourgeois de Paris sont allés voir les impressionnistes, c'est connu dans tous les livres d'histoire, ils sont sortis en éclatant de rire en trouvant que les impressionnistes étaient nullissimes. Ils n'avaient pas tort non plus de dire qu'ils n'aimaient pas, ils avaient tort simplement de ne pas avoir ce petit moment de suspens, ce petit crédit qu'on fait à l'œuvre d'art en disant attendons un peu pour voir, revenons la voir. C'est exactement ce que je viens de faire, arrête de m'engueuler. Non, je t'engueule pas, mais je veux dire que tu as raison aussi de dire je n'aime pas, il n'y a aucune raison d'être terrorisé par une œuvre d'art en disant les autres ont l'air d'aimer, et en même temps il faut faire un petit crédit à l'œuvre. C'est ce que je viens de dire que je faisais, putain de bordel de merde. Il n'a pas écouté. Vous avez entendu dans le sujet réalisé par Bollander, quelqu'un qui sortait de l'expo et qui disait c'est aussi une manière de se foutre du monde. Bien sûr, mais moi je dois dire que je ne conteste absolument pas au public le droit de penser qu'on se fout du monde, c'est sa liberté. En plus, il a payé son ticket, il est furieux, ça ne coûte pas plus cher qu'une place de cinéma, mais bon. On peut aller au cinéma et sortir aussi en disant ce film, il se fout vraiment du monde. Et ce n'est pas parce qu'il n'y a rien à voir, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'objet, ça aurait été beaucoup plus simple de mettre des objets et de les aligner sur des podiums que de se tuer à faire ce truc qui nous a pris un temps fou. Marie-Laure Jousset, merci, l'expo, c'est jusqu'au 12 mai à Pompidou. Au centre Georges Pompidou, Beaubourg. Merci. Le Pax, vous savez, c'est le pacte civil de solidarité. Eh bien, il se porte plutôt pas mal, puisqu'en 2002, le ministère de la Justice a enregistré une augmentation de 30% des contrats signés par rapport à l'année 2001, donc 30% de Pax en plus. Près de 30 000 personnes sont aujourd'hui paxées en France. C'est encore peu pour les instigateurs de cette loi, mais c'est déjà beaucoup trop pour Christine Boutin. D'autant plus que parallèlement à cette hausse, on constate que le mariage, lui, est en baisse. Dan Bollander a sorti sa queue de pie. Il a testé pour nous se paxer à l'église. Regardez cette caméra cachée par Thierry Andréot. Bonjour, ici Dan Bollander. J'ai testé me paxer à l'église. Vive la paxée ! Vive la paxée ! Merci. Bonjour mon père. Bonjour. Nous venons de nous paxer et on voulait savoir si vous pouviez bénir notre pax. Non, ça ne sera pas possible. Pourquoi ? Le mariage est une bénédiction, ni plus ni moins, donc ça correspondrait à un mariage, donc je ne peux pas le faire comme ça. Donc on peut pas en tout cas, pas comme ça, me prendre comme ça, non, c'est pas possible. Mais vite fait... Non, ce n'est pas une question de vite fait, c'est une question, non, je ne peux pas. Il n'y a pas de raison que vous veniez ici, dans un lieu religieux, prêté à confusion. Non, en fait, ce qu'on voulait savoir... Veuillez sortir. Est-ce que vous pouvez nous bénir ? Mais absolument pas. Pourquoi on ne peut pas bénir un pax ? D'abord, on ne bénit pas comme ça n'importe comment, les personnes sans les connaître un minimum. Et ensuite, parce que l'Église ne bénit pas n'importe quoi. Allez. Juste avoir une petite bénédiction. Non, je ne donne même pas une bénédiction parce que je n'aime pas être mis en ultimatum de faire quelque chose. Veuillez sortir, s'il vous plaît. Vite fait, non, c'est pas possible, vraiment pas. Bon, on vient vous voir et on pourra le faire plus tard. Bon, ben, on y va.
On est venu voir le prêtre pour qu'il puisse bénir le Pax, en fait. Ah bon, d'accord. C'est maintenant, on ne se marie plus vraiment, ce Pax. Autre temps, autre mœurs. Oui, tout à fait, le Pax est à la mode maintenant. Bon, oui, enfin, c'est une mode bien inventée, et socialiste. Pour les chrétiens, le mariage, c'est le mariage. On n'arrive pas à l'église comme ça en disant il y en a pour quelques secondes pour une bénédiction. C'est complètement fou, quoi. Donc, moi, je vous demande de sortir. Pas possible. Vous n'avez rien contre le Pax, quand même. Je m'en moque de votre Pax. C'est une église catholique et moi, je la respecte. Si vous, vous ne respectez rien, y compris pas vous-même, c'est votre problème. Un point, c'est absolument tout. Absolument pas. Hein, en ce moment, le démon est déchaîné. On le sait sur la terre. Non, en fait, on voulait avoir une bénédiction. Oui, bah écoutez, la bénédiction, je vous répète, vous allez tous en entendre parler de la bénédiction. Dans peu de temps, vous aurez des raisons de vous en souvenir de ce que vous faites aujourd'hui. Et croyez-moi, le ciel vous donnera tous des leçons. Bah, nous avons les aînés de nous paxer, vous voyez. Oui, bah, paxez-vous où vous voulez, mais dehors. Dan Bollander qui a poussé le bouchon un peu loin quand même. Gérard, je sais pour avoir eu cette discussion il y a peu que vous êtes pour le mariage. Je suis absolument pour. Évidemment, je ne conseille à personne qui ne le souhaite pas de le faire, mais j'aime le mariage. Je trouve que c'est une cérémonie sympathique. Et moi, je suis évidemment pour le mariage laïque, mais cela dit, ça ne me dérange évidemment pas les autres formes de mariage. Et je trouve que c'est une... Je sais pas, il y a quelque chose de plus dans le mariage quand on s'aime. On peut m'expliquer ce qu'on veut, que c'est pas la peine de passer pour juste un bout de papier devant quelqu'un qui s'y intéresse pas. Moi, je n'arrive pas à y croire. Moi, je suis bien d'accord. La preuve, c'est que je l'ai fait très souvent. Alors, pour parler non seulement du mariage, mais surtout du Pax, puisque c'est notre sujet, les chiffres viennent de tomber pour l'année 2002, on va accueillir un député de Paris, rapporteur de la loi sur le Pax, M. Patrick Bloch. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Alors on va rappeler d'abord quand elle a été votée, cette loi du Pax. La loi a été votée en octobre 99 et elle s'applique depuis le 13 novembre 99. Donc presque deux ans et demi maintenant. Presque deux ans et demi, absolument. On ne voit pas le temps passer. Et les chiffres sont plutôt bons pour l'année écoulée. Les chiffres de l'année 2002 sont les meilleurs chiffres depuis la création du Pax, puisqu'il y a une augmentation de 30% par rapport à 2001. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a 150 000 personnes en France qui sont paxées. Alors, est-ce que Christine Boutin n'avait pas raison quand elle disait que ça allait porter préjudice au mariage? Puisque jusque-là, on disait qu'il y a de plus en plus de mariages en France. Et pouf, là, je vois des chiffres. Il paraît que l'année dernière, il y a eu moins de mariages que d'habitude. Écoutez, les deux premières années de mise en œuvre et d'application du Pax sont conduites à ce qu'au contraire, la nuptialité, comme on dit, augmente. Donc, il y a un phénomène d'émulation. Bon, je pense qu'il est trop tôt pour essayer, sur la seule année de 2002, de dire que le Pax se prend... au mariage. Hein. Je crois qu'il faut s'inscrire un peu dans la durée de ce point de vue. Hein. Est-ce qu'on sait si les Pax hétérosexuels sont plus nombreux que les Pax homosexuels? Est-ce qu'on sait si... A priori, en fonction des estimations, ce serait moitié-moitié, autant de couples hétéros que de couples homo. Claude. J'ai lu dans mon dossier une chose qui m'a stupéfiée. Il paraît que beaucoup de jeunes couples hétéros, au lieu de passer par quelques années de vie commune, ce qu'on appelle le concubinage, se paxent avant de se marier. Oui, mais attends, mais c'est un besoin de l'égalité qui devient fou. Un besoin de l'égalité, peut-être pas, mais un besoin de stabilité, peut-être de créer ou de trouver un cadre juridique à son union. Non, donc effectivement, le Pax peut être un passage entre l'union libre et le mariage, puisque dans les ruptures de Pax, il y en a eu à peu près 5600 depuis la création du Pax, il y a environ 15% des ruptures de Pax qui sont dues, parce que c'est automatique à ce moment-là, au mariage des paxés. Voilà. Perry. Je ne comprends pas bien l'intérêt de passer par le Pax pour un couple hétéro avant de se marier. Je ne vois pas très bien. Qu'est-ce que ça apporte? Parce que vous pouvez déclarer aujourd'hui le concubinage. Et donc, on a certains avantages. On a des avantages qui sont des avantages, certes, de reconnaissance, mais en termes de fiscalité, de succession ou dans bien d'autres domaines, la situation de fait qu'est le concubinage n'apporte rien en termes de droits en tant que tel. Hein. Bon. Tandis que le Pax, sans que ce soit les droits et les devoirs du mariage, pose un certain nombre d'obligations et d'obligations mutuelles. Cela dit, moi j'étais absolument pour le Pax, a priori plutôt pour les homosexuels, dans la mesure où ils ne peuvent pas se marier. De même, je ne suis pas pour le mariage homosexuel. Je trouve que le Pax avait été un vrai progrès pour des gens qui voulaient justement témoigner de leur union, qui voulaient éventuellement pouvoir protéger le conjoint. C'est un côté beaucoup moins solennel, quoi. C'est vrai, mais je trouve aussi, mais je suis ravi qu'il y ait un Pax pour les hétéros, mais je trouve paradoxal qu'on ne passe pas directement au mariage quand on est hétéro. Mais cela dit, non, mais ça ne me pose pas de problème. Si on a fait le Pax ouvert aux couples hétéros et aux couples homo, c'est justement pour qu'on ne
soit pas taxé de communautarisme. C'est vrai. Et faire un outil juridique parce qu'on vit en République qui soit offert. D'accord, mais quand on en parle, on pensait qu'il n'y aurait que les homos qui se paxeraient et pas tellement les hétéros parce qu'on voit pas l'intérêt. Oui, enfin. L'intérêt, c'est le divorce parce que c'est moins compliqué de divorcer quand t'es paxé que quand t'es marié. De dépaxé que de divorcer. Oui, c'est ça, de dépaxé. Raphaël Misrahi a raison. Mais c'est vrai que, notamment pour des personnes qui ont déjà été mariées, qui ont vécu la période du divorce souvent de manière douloureuse, quand ils refont leur vie, quand ils veulent retrouver un lien juridique, une union donc de fait, de droit plutôt, avec une autre personne, eh bien, ils ne veulent pas revivre le divorce. Claude, le pax... par exemple, vous auriez fait un mariage, puis après deux, trois pax, vous voyez. Oui, moi, je préfère le mariage. Stevie. Mais justement, ça reste toujours un peu flou, tout ça. Quels sont les réels avantages du pax? Deux personnes qui se paxent. Hein, sur les impôts, il faut 3 ans, c'est ça? Il faut 3 ans. Hein. J'ai essayé de faire sauter le verrou lors de la discussion du dernier budget, mais la majorité... Au bout de 3 ans de PAC, vous avez le droit de faire impôt commun, si vous voilà. préférez. Enfin, on n'a pas... Enfin, c'est une obligation, d'ailleurs. Et vous ne craignez pas que, dans les couples hétéros, il y ait des PACs blancs? Enfin, je ne sais pas comment dire, vous savez, un peu les faux mariages, les... Ben, on appelle ça les pacs de complaisance, voilà, en rapport au mariage blanc. Or, oui, une fête, comme Laurent le rappelait, 3 ans de délai avant avant de pouvoir déclarer en commun ses revenus, c'est quand même long. Et sachez aussi que, comme on le sait, payer ses impôts est plus un devoir qu'un droit. Et l'imposition sur commune n'est pas forcément synonyme d'optimisation fiscale. On peut payer plus d'impôts. J'ai vu dans Libération, il y a 8 ou 15 jours, qu'un juge avait effectivement décidé une des deux personnes paxées avait un devoir, même je crois de relations sexuelles avec jusqu'où on est allé. Un juge a été réquisitionné de manière étonnante par un partenaire paxé qui souhaitait obtenir ou faire un constat d'adultère. D'adultère, voilà, c'est ça. Ce qui, par rapport à l'esprit même du pax, puisqu'il n'y a pas les obligations de l'article 212 du Code civil pour le mariage, les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance, voilà, il n'y a pas ces obligations-là, eh bien, de fait, le constat d'adultère, qui n'est même plus aujourd'hui d'ailleurs une cause de dissolution automatique du mariage, apparaissait quelque peu paradoxal par rapport à l'esprit même du pax. Et pourtant, ça a été constaté par un juge. Alors, ça a été constaté par un juge, mais sans qu'il aille au-delà, hein, sans qu'il outrepasse son rôle. Voilà, t'es cocu. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça doit obligatoirement être un Français avec lequel on se paxe ou ça peut être un étranger? Parce que si c'est un étranger, ça peut être un étranger. Et par exemple, mais non, mais pas. Je parle pas de la communauté européenne, mais deux étrangers. Deux étrangers peuvent se paxer en France, comme deux étrangers peuvent se marier en France. Ouais, mais après, ils peuvent résider en France. Ça ne crée pas un droit automatique comme le mariage, mais c'est un élément que l'administration prend en compte pour délivrer ou non le titre de séjour. Monsieur Patrick Bloch, député du 11e arrondissement de Paris, rapporteur de la loi sur le PACS. Merci. Merci, à bientôt. Au revoir. Dernier invité. Jusqu'à mercredi, Marie-Christine Barrault est à l'auditorium Saint-Germain-des-Prés pour faire des lectures des récits de Geneviève de Gaulle-Antonioz et Rigoberta Menichou. Le spectacle s'appelle Insoumise et sur scène, Marie-Christine Barrault se partage la tâche avec une autre comédienne, Françoise Thirion. C'est dans le cadre du Festival du Carré Saint-Germain qui durera jusqu'au 5 avril que se joue Insoumise. Pour tester l'ensemble de ces lectures, accueillons tout de suite celle qui a joué dans le film de Romer, Manu Michel Maud, qui a été aussi nommée aux Oscars pour son fameux rôle dans Cousine avec Victor Lanoux. Elle a aussi été pour la télévision la célèbre Marie Curie. Je vous demande d'accueillir la grande comédienne de théâtre, de télévision et de cinéma, Marie-Christine Barrault. Bienvenue parmi nous. Merci. Pour nous parler de lecture. C'est une mode, hein, en ce moment. On reçoit beaucoup de comédiens qui lisent sur scène. Vous, c'est pas nouveau, hein, de votre part. C'est pas nouveau et j'en fais, mais alors, tous azimuts, là, dans tous les sens, partout dans le monde. Alors là, du 10 au 12 mars à l'Auditorium Saint-Germain-des-Prés, ces lectures s'appellent Insoumises. Ça tombe bien parce que, justement, il y avait une manif samedi qui s'appelait Ni pute, ni soumise. On est évidemment un peu loin du sujet, mais pas tant que ça, parce que l'insoumission, c'est le thème, le point commun entre les deux textes que vous lisez. Alors, vous venez de le dire, c'est Geneviève Antonioz de Gaulle qui a écrit ce livre magnifique qui s'appelle La traversée de la nuit, qui est un moment particulièrement déchirant à Ravensbrück, et Rigoberta Menchú qui a été déportée, on va être très clair, elle a été déportée là-bas. Et Rigoberta Menchú qui a eu le prix Nobel il y a une vingtaine d'années, qui est une guatémaltèque indienne et qui se bat pour son peuple qui est décimé par
Dans le papa... Par les propriétaires terriens, dont le père, la mère, le frère ont été coupés en morceaux. Et quand je dis coupés en morceaux, c'est exactement ça. Oui. Par le pouvoir en place. Autant dire, c'est pas d'une gaieté folle, hein, tout ça. C'est pas vraiment d'une gaieté folle, mais ce sont deux femmes qui n'ont non seulement jamais baissé les bras, qui sont d'un courage exceptionnel, et qui sont d'une foi et d'une confiance en l'être humain qui force l'admiration. Car il n'y a jamais ni un esprit de vengeance, ni un esprit d'acceptation du mal. Ce sont des femmes qui sont debout, qui se battent et qui croient en l'homme. Et donc, je pense que les lectures sont un peu difficile dans la mesure où on parle de choses très dures, mais on en sort vivifié et avec l'envie de se battre soi-même. Mais c'est vous, ça. C'est tout à fait moi. Claude ? Moi, tu sais. Mais moi, je te connaissais du temps du Théâtre de France, chez Barrault Renault. Je la suis depuis toujours. Et je vais te faire un aveu stupide. Les deux films pour lesquels tout le monde te connaît, eh ben, pour moi, c'est des films cultes. Cousin-cousine, elle est avec Victor Lanoux au lit et ils discutent d'une recette de cuisine. Mais attends, tout le monde ne se rappelle pas. Tu te rappelles? Mais, évidemment. Et alors, ce que tu as fait? Arrête de te moquer. Et alors, Marie Curie, formidable. C'est vrai. Dans Cousin-cousine, il y a une réplique qui fait encore ma joie aujourd'hui. Le personnage que je joue part passer un week-end avec son amant. Elle devient d'ailleurs la maîtresse de cet homme. Et puis elle revient chez elle. C'est Guy Marchand qui joue son mari, où il n'a vraiment pas fait la vaisselle, rien. Il est effondré parce qu'enfin sa femme a décidé de le tromper alors qu'il la trompe depuis toujours. Elle pousse la porte, elle le voit abattu. Elle lui dit, toi, si tu dis un mot, je m'en vais, tu ne me reverras plus. C'était un bonheur. Justement, quand vous lisez les textes comme ça, est-ce que vous les connaissez par cœur? Ah non. Non, je les lis, mais je les... Vous les avez lus une fois avant? Oh, bah, un peu plus non, qu'une non, fois. Non, il les découvre. T'imagines le type qui arrive? Je crois qu'il y a... Il y a des comédiens qui en seraient capables, et vous peut-être aussi. Non, mais j'en suis capable. S'il faut le faire, je le fais. Si tout d'un coup, il faut sauver une situation, je le fais. Moi, je lis le journal de l'équipe, si ça vous branche. C'est pas un bouquin, mais pas un journal à venir pour qu'on fasse le test. Non, hein, mais... On va voir si elle peut lire sans avoir lu avant. La lecture, c'est un art très particulier, la lecture. C'est un art, hein. Il y a un savoir-faire, c'est-à-dire qu'il faut créer des images dans sa propre tête, dans son propre mental, pour que le public les voit, les images. C'est pas une question de technique, de monter, descendre, tout ça. C'est une question vraiment de compréhension du texte qu'immédiatement qu'on transmet au public. Mais c'est très, très, très excitant. Perry Cochin, je ne sais pas si vous connaissez. Pas du tout. Et j'ai toujours pensé, en vous voyant au théâtre, etc., qu'il y avait vraiment de la gentillesse en vous, il y avait vraiment quelque chose de très bon. Et j'ai eu la confirmation hier soir. Je dînais chez des amis et en fait, on parlait de vous et ils ont dit « mais elle habite juste au-dessus ». Donc, vous avez dîné en dessous de chez moi hier soir? Oui, absolument. Je ne dira pas où, donc rue de Rivoli, etc. Il y a trois appartements en dessous de chez moi. Bon, enfin, en dessous de chez vous. On va se parler. Et, la personne chez qui j'étais me dit, elle est géniale, elle est adorable, elle connaît mes enfants, elle les salue chaque fois qu'elle les croise dans l'ascenseur, elle organise à Noël des petites réceptions pour tous les gens de l'immeuble, vous recevez tout le monde à Noël chaque année, etc. C'est devenu un rite, et enfin, bon, tout le monde vous adore dans l'immeuble. Et donc on a du bol, mais ça aurait été le contraire. Imagine, genre, ça part tous les soirs, il y a de la musique à fond jusqu'à 2h du mat. Non, enfin, Perry, on raconte pas des choses comme ça. Mais non, mais... Dans l'escalier, ils me reconnaissent à la maison parce que je chante tout le temps. Et dès que, quand je suis dans l'ascenseur et que je chante, ils disent « Ah, on savait que c'était vous parce qu'on vous entend chanter. » Est-ce que vous chantez les chansons écrites par Roger Vadim que vous faites aussi en récital? Que j'ai fait samedi soir, justement. À travers la France, toujours? Oui, L'Homme rêvé. Là, vous êtes en tournée oui. pour ces chansons de Vadim que vous interprétez vous-même. Ah ben comment, moi-même? Il les a écrites pour moi. Ben, mais je n'ai pas laissé à quelqu'un d'autre. Vous auriez pu les donner à une autre. Ah non! Non? Vous aimez ça, chanter? Ah ben oui, j'adore ça. J'adore ça. Et puis en plus, c'est des chansons, c'est un testament de Vadim. C'est un testament de tout son regard sur le monde, sur l'amour, sur les femmes, sur moi. C'est personne d'autre les chantera. C'est amusant ce que tu racontes, parce que moi, j'ai dîné, mais c'est vraiment les coïncidences de Paris. J'ai dîné rue de Rivoli également, mais chez les gens qui habitent en face de chez vous. Et qui vous adorent littéralement, parce qu'il paraît que quand vous êtes dans votre salle de bain qui donne sur la rue de Rivoli, jamais vous ne fermez les rideaux, jamais vous ne fermez les rideaux. Et ils sont vraiment enthousiastes, ça. Raphaël Mesrahi. Marie-Christine, bonjour. Alors, oui. Donc vous êtes née le premier jour du printemps. Le 21 mars, ça c'est très content. Bientôt. Voilà. Alors, si vous étiez une fleur, vous aimeriez être arrosée au moins tous les jours, une fois par semaine ou autre? C'est une question. Alors si j'étais une fleur, d'abord j'aimerais être une pivoine, parce que c'est ma fleur préférée. Une autre question, si vous deviez donner le nom d'une émission de télé à votre plus belle nuit d'amour, ce serait plutôt surprise-surprise que le meilleur gagne ou on a tout essayé?
Pauvre chérie, elle cherche, elle peut être très bon. Que... surprise, surprise, autre. Ou ce serait plutôt tout le monde en parle pour Marie-Christine Barrault. Ah non. Non. Ah non. Non, au contraire, la discrétion, il n'y a pas photo. Très, très, très discrétion. Ce serait mieux. Il n'y a pas photo, ça serait mieux. Une dernière, Raphaël. Non. Non. En revanche, ça y est, il vous a amené... Oh, pas mes lunettes de soleil. Puisque, il paraît que vous pouvez lire sans avoir lu précédemment. Pour la première fois, Marie-Christine Barrault lit L'Équipe. Vous pouvez l'encourager. Elle découvre le texte. Alors, donc, imaginons un supporter montpelliérain qui serait parti en voyage au lendemain d'une défaite à Ajaccio 0-1 fin janvier, quand son équipe accusait 8 points de retard sur le premier non relégable et qui serait rentré ce matin. En découvrant la situation au classement, il tombe forcément des nues. Montpellier était alors l'archétype de l'équipe friable, chétive et peu vernie. Impuissante, elle se laissait aller vers la... La L2, c'est quoi ça? La Ligue 2. C'est pas le machin, la vertèbre, non. Ces joueurs considérés lucides le maintient en L1 comme une forme de miracle. Pour s'en sortir, il nous faudrait un parcours de champion. Bravo, bien, c'est bien, hein. Tout de suite, ça rend l'équipe beaucoup plus vivante. Ouais. Hein. C'est la première fois de ma vie que je comprends le sport. C'est je incroyable. Pense que je vais avoir un abonnement gratuit. Ça va pas m'arranger. Hein. Enfin, tant pis. Parfait. Est-ce que vous restez avec nous pour la dernière séquence de l'émission? Bah, je sais pas à quelle sauce je vais être mangée, mais je reste. C'est le kika vu qui. C'est parti. Je vous rappelle, mes petits camarades, qu'on laisse 3 secondes d'avance à Marie-Christine Barrault, d'autant qu'elle devrait retrouver les personnalités sur ses photos dans la presse du jour ou du week-end. Jane Birkin, bravo, Marie-Christine Barrault. Vous savez pourquoi? Ah, il y a une rue Gainsbourg? Exactement. Elle est où? À Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand est la première ville de France. Vous êtes content, Gainsbourg, d'être à Clermont-Ferrand. Vous êtes très content. La première rue Serge Gainsbourg, c'est à Clermont-Ferrand. Et Bambou, Jane Birkin, deux ex-compagnes de Serge Gainsbourg, étaient sur place, ainsi que son fils Lulu, pour l'inauguration de cette première rue Gainsbourg en France. C'est vrai que c'est étonnant, je pensais qu'il y en avait déjà, moi. Oui. Eh bien non. Deuxième qui a vu qui? Ah, ça, c'est l'actrice qui joue Amélie Nothomb, Sylvie Testud. Exactement. Bravo. Stupeur et tremblement. Ça, ça va être drôle, ça. Ça sort mercredi et c'est... Ça va être intéressant. Ça raconte la vie dans une entreprise au Japon. Le livre était assez drôle. Le livre d'Amélie Nothomb avait eu un énorme succès et il est joué par Amélie Nothomb au cinéma dans le film de Corneau qui sort mercredi. On espère d'ailleurs recevoir Sylvie Testu à cette occasion. Autre qui a vu qui? Mais il fait une grimace, là. Il fait une grimace. C'est-à-dire qu'il a annoncé une mauvaise nouvelle. Alors... Francis Maire. Bravo, Maureen Dor, le ministre des Finances. On dirait Tibéri un peu, là. Il a annoncé un déficit, sûrement les impôts qui ne pourront pas baisser autant qu'ils devaient baisser. Enfin, bah tiens. Voilà. Mais ça, c'était difficile, parce que des mauvaises nouvelles, actuellement, au gouvernement, ils ne font que ça d'en annoncer, donc je ne savais pas qui c'était, moi aussi, il faut comprendre. Il y a un petit côté Popeye, hein, comme ça, Francis Maire. Claude? Eh bien, j'avais dit. Quoi? Bah, que c'était Maire. Oui, mais elle l'a dit avant vous. Non, on l'a dit ensemble. Bon, on va s'expliquer à la récré, alors. Vous chipotez, Claude, hein, vous chipotez. Non, mais je le laisse. On peut passer à la suite. Parfait, Raphaël. Bon, voilà, alors on a gagné quoi? Rien. Marie-Christine Barrault, le droit d'accueillir éventuellement Périgauchin chez vous la prochaine fois. Et le droit aussi, que je rappelle, que du 10 au 12 mars... Ah, on a vraiment le droit et le devoir de venir. Ah voilà, à l'Auditorium Saint-Germain-des-Prés, c'est dans le 6e arrondissement de Paris. Une belle salle. Hein. Voilà, vous pouvez aller applaudir Marie-Christine Barrault et Françoise Thirion dans deux lectures, La traversée de la nuit de Geneviève de Volantonioz et moi, Rigoberta Menchú de Rigoberta Menchú. C'est une seule lecture croisée. C'est-à-dire, on est toutes les deux en scène et les textes sont en écho l'un de l'autre et ça les rend encore plus forts. Et c'est à 21h, voilà. Deux destins parallèles en fait. Voilà. J'ai bien résumé l'affaire? C'est pas mal. Merci Marie-Christine. À demain, 18h55.